Salut tout le monde, les amis, c'est bon, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on va aller en cabrel, mais on va pas faire un défi. Comme les autres, on va aujourd'hui faire un défi, c'est pas un défi comme les autres, enfin en cabrel, en F5. Bon, moi j'ai décidé de faire un défi en F1 les amis. Donc ça serait assez compliqué parce que vous voyez, on voit vraiment pas... tout simplement l'inventaire, on peut pas savoir où on est. Donc là ça va tester notre mémorisation en Icaprène. Au moins on aura sûrement plus besoin d'utiliser notre inventaire, de tout plan le regarder, on saura. Voilà, ça peut aider à jouer, à savoir où sont placés nos outils, à bien placer nos outils surtout. Voilà, du coup on va tout de suite commencer, allez go. Voilà, du coup les amis, là je suis bien en F1, on va manger notre pomme. Donc c'est assez compliqué quand même. Hein. Donc, oh là là, c'est dur à braider en plus. On n'a pas la croix, vous savez. Ça va être assez compliqué, on va un peu être nul, quoi. Oh, j'arrive rien à faire. Même pas à brain, quoi. Même pas le stress de brain. Voilà. Purée, j'arrive pas, j'arrive à rien faire. Il est technobac, ouais, il est technobac. Bon, le pack que j'ai, c'est un pack, les amis, c'est un pack, le pack de E.T. Dark ZX, qui est un modo de mon serveur, et qui fait un modo de mon serveur, et voilà, il a une chaîne YouTube, sa chaîne sera en description. Du coup, pour ceux qui savent pas qui c'est Dracox77, sauf qu'il s'est renommé. Et il a recommencé sa chaîne YouTube et je vous dis, il prépare du lourd pour sa chaîne YouTube. Voilà, du coup, je me fais un peu Z. Voilà, du coup, j'espère qu'il va s'en sortir. Bon bref, le pack sera pas, et pas encore upload parce que là, c'est juste la bêta du pack, quoi. Ça, c'est pas la version finale. Du coup, ça peut être on joue juste en quoi. Oh, je peux pas voir. Bon bref, ça peut être enfin voilà, purée, mais moi je sais pas de quoi je parle. Mais... Voilà, bon. Du coup, le pack est en bêta et je peux pas encore vous le passer, hein. Ça se fait pas non plus de le passer un pack qui veut pas encore qu'il sort parce qu'il veut pas. Quand il sera upload, voilà, par contre vous aurez les droits de le modifier, hein. Vous ferez comme vous voulez. Moi je trouve déjà qu'il est assez beau, moi je trouve que les blocs, tout ça c'est assez beau. Mais voir les épées, les épées en jump c'est de l'enfer, c'est tout, c'est du rainbow quoi, c'est... Je rêve ou on est, attendez, juste je me permets de vite faire un S. Ah, on est quand même en 4v3, c'est pour ça qu'il y a moins de monde. Je me disais... Bon bref, je me fais un peu Z. C'est assez compliqué. Hein. Essayez, c'est... Après, si vous savez bien savoir comment votre croix est située, vous y arriverez sans problème. Mais moi, après, j'ai un tout petit peu de mal. Bon, là, les bleus, ils ont marqué. Mais c'est assez compliqué quand même. Bon, après, si on perd, c'est pas grave, hein. C'est pas très très grave non plus. C'est qu'un jeu, hein. Moi je rage beaucoup, ça je peux vous le dire, je rage vraiment énormément, mais je sais pas pourquoi, je sais que c'est pas très bien de rager, ça peut amener à la défaite. Voilà, bon, j'ai marqué, c'est cool. Oui, j'ai bien marqué. Je regarde pas mon inventaire, hein. C'est juste pour voir si j'ai marqué. Bon là je commence à savoir bien jouer en F1, sauf que c'est assez compliqué, on peut pas voir la croix, enfin le truc qui permet de savoir où tu vas, enfin où tu frappes, tout ça. C'est assez chiant de pas voir ça, c'est assez stressant. Voilà, donc je vous dis, essayez le défi chez vous, ça peut être bien. Voilà, du coup sa chaîne quand même sera en description, n'hésitez pas à vous abonner. Il a fait qu'une vidéo pour l'instant, mais il prépare du lourd, ça je peux vous le dire, il prépare vraiment du lourd. Sa chaîne, ce sera pas une connerie, vous allez voir. Bon là, juste, on est en... je sais pas de quoi. Juste, je me permets... ok, prends un. C'est pas...
Bon, après quand même, c'est pas aussi facile de jouer en F1. J'avoue, je me fais un peu Z aujourd'hui, je suis pas très très chaud non plus. Bon, moi j'ai jamais joué Z. Enfin, j'ai pas encore, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore de Soul Gamer. Je vais bientôt en avoir une, mais pas encore, du coup, c'est pour ça que je me fais un petit peu EZ PVP. C'est voilà, hein, je suis désolé, hein, je peux pas faire mieux. Hein. Vous savez, c'est les souris de base. Voilà, c'est les souris comme ça, vous voyez, c'est assez spécial, quoi. On peut pas PVP, c'est impossible pour moi. Enfin, c'est impossible. J'arrive à des fois EZ des personnes, mais c'est très très rare. Ah, le clic est pas très appliqué, quoi, on peut dire. Enfin, le ressort pas de très très bonne qualité. Là, j'ai juste campé Lee parce qu'ils arrivent. Voilà, je savais qu'il fallait que je campe Lee. C'est pas très bien de camper Lee. Ils sont 4 maintenant. Ils sont 4, on dirait. Bah ouais, ils sont redevenus 4. Attendez. Je rêve ou ils sont redevenus 4? Ah non! C'est nous qui sommes 2. Ah bah oui, carrément. Bon, c'est pas grave si on perd. Ah mais bon, je croyais qu'ils étaient 3, mais en fait, c'est nous, quoi. Ah oui, c'est pour ça qu'on se Z. Moi, personnellement, j'aime pas faire des parties comme ça. Enfin, je trouve pas que c'est très fair-play de faire une partie, par exemple. 4v2, c'est pas très fair-play. Moi, ce que je ferais en 4v2, c'est que... J'aiderai les autres, enfin je les aiderai un peu, je vais pas non plus pas fair play, voilà, pour ce que c'est, voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like et à vous abonner si ce n'est pas fait, pour ce, bye!